La santé, ce n'est pas simplement le bien-être physique, c'est le bien-être social et psychologique. Et donc la sécurité sociale doit s'occuper de ça, de la naissance à la mort. Et donc ça veut dire une autre organisation de notre système de santé qui parte des besoins dans les territoires et qu'on puisse, eh bien, effectivement, non pas simplement aller voir le médecin, puis le lendemain l'infirmière, puis le surlendemain l'assistante sociale, mais qu'on ait dans un centre de santé l'ensemble de ces professionnels qui soient réunis et puis qui assurent l'ensemble des besoins. Le meilleur exemple, c'est la raison pour laquelle les gens viennent plus facilement aux urgences, indépendamment du fait que c'est difficile d'avoir un rendez-vous dans la journée auprès d'un médecin, c'est que quand on vient aux urgences, comme on a besoin d'une prise de sang, eh bien on la fait sur place, alors que quand on va au cabinet, qui n'est pas un centre de santé, il faut aller au laboratoire d'analyse médicale, il faut prendre rendez-vous, si on a besoin d'une radio, il faut encore se déplacer, ça prend 3 jours. Quand on vient aux urgences, même si on attend 6 heures, eh bien on a tout sur place. Donc ça veut dire un autre mode d'exercice de la médecine, pluriprofessionnel, et dans des structures où les professionnels de santé ne s'occupent que de la santé, l'administration, ce sont des administratifs qui s'en occupent et ce ne sont pas les professionnels de santé qui investissent dans leur outil de travail, mais ce sont les collectivités locales, les hôpitaux qui mettent à disposition les moyens et ce qui permettra, y compris, une meilleure collaboration. Il n'y aura pas d'un côté la médecine de ville et de l'autre côté l'hôpital, mais vous voyez, les spécialistes de l'hôpital, eh bien, ils viennent faire quelques consultations dans le centre de santé. Et les médecins en ville peuvent avoir leur centre de santé au rez-de-chaussée de l'EHPAD. Et dans ce cas-là, on a un médecin qui s'occupe aussi de l'EHPAD. Voilà, donc c'est une bonne utilisation de professionnels de santé qui aujourd'hui sont rares pour répondre aux besoins de la population dans les territoires. Et quels sont les besoins de la population? Ce n'est pas aux médecins ni aux technocrates des agences régionales de santé de les déterminer. C'est quoi? Je veux un médecin. Quand j'ai une urgence, c'est-à-dire un problème médical aigu, je veux pouvoir le voir dans les 24 heures. Et quand c'est ce qu'on appelle une petite urgence, ben mon médecin doit pouvoir s'en occuper. Si j'ai besoin de 3 points de suture pour mon gamin, eh bien les points de suture doivent pouvoir être faits au centre de santé. Je ne suis pas obligé de faire 30 km pour aller à l'hôpital. Voilà. Donc c'est simplifier l'accès aux soins et surtout rapprocher les structures de la population dans les territoires. C'est le rôle de l'État, c'est la raison pour laquelle la CGT réclame la fin du financement des structures à but lucratif dans le domaine de la santé et du médico-social, que ce soit les EHPAD privés, les cliniques privées, parce que c'est antinomique avec ce que doit être un système de santé. Puisque aujourd'hui, ce sont des investisseurs qui mettent de l'argent, ils veulent le meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire la rémunération des actionnaires. Non, c'est à la collectivité d'investir et parfois il faut même des mesures inégalitaires pour rétablir l'égalité de la population parce que en tant que médecin je peux vous dire que quand vous êtes à plus de 30 minutes d'un service d'urgence il y a une perte de chance. Donc pour pas être à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, il faut maintenir des services d'urgence qui n'ont pas une très grosse activité. Mais si on les ferme, eh bien, ça veut dire qu'on laisse ces populations-là à l'abandon. Et puis on sait très bien que si on veut, et c'est de l'écologie ça. Si on veut une juste répartition de la population sur le territoire, il faut que les emplois, mais pour qu'on ait des emplois, soient justement répartis sur le territoire. Pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des services publics. Quand une entreprise vient dans un territoire, s'il n'y a pas une gare, s'il n'y a pas un collège, un lycée, s'il n'y a pas un hôpital, ce n'est pas attractif pour la population et donc ils vont s'installer dans les métropoles où on vit de moins en moins bien parce que on a la chance d'avoir un pays très divers et très varié avec des zones de faible densité de population. On a même des départements aujourd'hui qui ont moins de population qu'à la fin du 19e siècle. Donc voilà, donc, est-ce qu'il est bien de faire par exemple continuer à grossir, que Toulouse continue à grossir et qu'on continue à dépeupler l'Ariège et le Gers? Non, il faut peut-être réfléchir en aménagement du territoire et pour l'aménagement du territoire, il faut des investissements publics. Les investissements publics, eh bien, dans ces investissements publics, il y a des outils pour que les professionnels de santé puissent travailler, ça s'appelle les hôpitaux, les centres de santé. Donc il faut investir dans ces structures et y compris ça sera une réponse aussi à une juste répartition des professionnels sur le territoire puisque si les médecins sont salariés et qu'ils doivent aller travailler dans les centres de santé, eh bien ils y ont travaillé, là on ouvre des centres de santé. Et donc on résout le problème de cette fameuse liberté d'installation et de la rémunération à l'acte de manière intelligente, sur le temps que mes jeunes collègues médecins, aujourd'hui, très majoritairement, ils préfèrent un emploi de salarié à un emploi de libéral qui va gérer sa petite entreprise et qui va être obligé de travailler 60 à 80 heures par semaine pour vivre correctement et s'occuper de toute l'administration et de la gestion de sa petite entreprise.